Allô. Alors, nous sommes sur Main Street et derrière moi se trouve l'entrée principale de Lily's Boutique. Suivez-moi. Lily's Boutique. Vous pouvez voir un peu partout des LB. On en a là-haut, c'est un petit peu caché, là on le voit mieux. LB. Je vais vous donner l'explication de LB avec un... On va le voir un petit peu plus gros. On va passer sur l'entrée, l'autre entrée. Ça c'est la principale, on va revenir après. On passe sur l'autre entrée. Juste avant de passer sur l'autre entrée, je suis obligé de m'y arrêter. Derrière moi, il y a une agence de casting. Elle a été fondée par Walter Elias Disney. Nous sommes sur Flower Street où se trouve une autre entrée pour Lily's Boutique. Mais à cet endroit, maintenant vide, se trouvait à une époque une terrasse du restaurant Wall. Donc le restaurant Wall qui a ouvert en 92 avec le parc a perdu le rez-de-chaussée et a également perdu sa terrasse. Ils estimaient que ce n'était pas nécessaire. Bon. À partir de 1999, le rez-de-chaussée du restaurant Wall devient Lily's Boutique. Lily's, Lillian Bound, le nom Bound original de la femme de Walt Disney. Donc Lillian Disney, originellement Lillian Bound. Lily, c'était son petit surnom. Donc à partir de 1999, on a cette boutique qui est ouverte. Donc ne cherchez pas à comprendre. Si les plus observateurs parmi vous, en arrivant, vous voyez LB. Mais pourquoi LB? Pour Lillian Bound, le nom d'origine. Je reviens sur l'entrée principale dans Main Street. On va bientôt y rentrer. On arrive directement dans la salle à manger. Je vais y revenir. Je voudrais un peu plus parler de Lillian Bound, Lillian Disney. Elle va travailler pour Walt en 1924. Elle est à la fois secrétaire et intervalliste. Intervalliste, c'est les in-between. C'est les personnes qui font les dessins. L'animateur fait les dessins principaux. On a 24 images secondes. Les petits dessins qu'ils vont faire, qui vont passer, qu'on voit le personnage passer d'une axe d'une scène à l'autre, ou dans le mouvement, par exemple, ma main est là. On va dessiner ma main là. Et là, tous ces petits mouvements qui vont être entre, qui vont être faits par les intervallistes, les in-between. In-betweeners. Lillian Bound va faire ce travail, elle aurait travaillé également sur Blind Crazy. Donc en 1904, elle travaille pour Walt. Le soir, il la ramène en voiture avec une autre secrétaire. Mais il dépose en premier l'autre secrétaire pour rester plus longtemps avec Lillian parce que elle lui plaît énormément. Donc il la ramène chez elle. De fil en aiguille, une relation va se créer. Et il se trouve que Lillian voulait très vite lui présenter ses parents, mais Walt ne voulait pas. Parce qu'il estimait qu'il voulait faire bonne impression, donc il voulait d'abord avoir un beau costume. C'est Walt lui-même qui racontait cette anecdote. Donc il a mis de l'argent de côté pour avoir un beau costume. Il a dit « Oui, je veux bien rencontrer tes parents. » En 1925, ils vont se marier. Ils vont rester mariés ensemble jusqu'au décès de Walt. À savoir par contre que Lillian, en 1969, elle va se remarier à nouveau. Donc voilà, donc cette boutique lui est dédiée. On part du principe que c'était peut-être la maison de Disney. Donc c'est elle qui a fait l'aménagement intérieur avec beaucoup de photos de famille. On y va. Première salle, salle à manger. C'est extraordinaire. Bienvenue. Merci. Bonjour. Voilà, nous sommes dans le salon. La storyline, ça a été décoré par Lily. Donc le décor, on est dans un style victorien, puisqu'on est quand même en soi, on est censé être au début du 20e siècle. Donc on peut voir énormément de photos de famille et ce qui est très touchant quelque part, c'est comme si on rentrait dans leur intimité. Donc je précise bien à savoir, toute cette boutique, à l'origine, ce sont des salles à manger qui appartiennent au restaurant Walt. On peut voir là une porte qui mène directement sur le Walt. Donc ici, il y avait des tables et j'ai mangé, donc on a gardé ce décor. Ensuite, bien sûr, d'autres parties ont été rajoutées pour présenter les différents objets. Ça, vous verrez avec Steph sur ce qui est la partie shopping, c'est pas moi. Donc on fait un petit tour avec un peu la mémoire de la famille Disney, Walter, Walt et Lillian.
ces photos sont très importantes pour l'histoire de Disneyland en Californie et pour une attraction culte. Ils ont fait un tour de l'Europe, Walt et Liliane, et ils sont allés à la frontière italo-suisse avec le mont Cervin, également appelé Matterhorn. Là, ça fait tilt dans votre tête. Ils vont être très, très impressionnés par cette montagne, cette chaîne des Alpes. Matterhorn, du coup, donnera naissance à une attraction culte et mythique qui n'est pas à Disneyland Paris. On avance, la deuxième salle, c'est la cuisine. Donc, je répète, avant, on était dans le restaurant, donc ces trois salles qui s'enchaînaient, ça reprenait le principe de la maison de vacances type français de Lily. Donc, on a gardé le côté un petit peu cuisine, on peut voir, on pourrait accrocher limite, là, on verrait bien accrocher des viandes, des saucissons. Donc, pareil, sur les murs, regardez bien toutes les salles, la décoration, le mobilier type victorien, et les photos, bien sûr, je répète, c'est l'album de famille des Walt, Voyage en Europe, des Walt et Disney, pardon. Il y a plusieurs Walt. Oui, il y avait un autre Walt dans l'animation, Walter Lance. Bref, Walter Fried aussi. Je m'écarte. Donc, tour de la cuisine. De leur visite à Paris. Vous avez Walt, la Tour Eiffel, deux monuments. Il est avec sa femme, ses deux filles, et il se transforme lui-même en photographe. Je vous laisserai trouver la photo quand vous venez dans cette boutique. La troisième salle, menant sur Flower Street, tout à l'heure on était devant la porte, c'est la salle de bain, la thématisation. Donc vous regardez les motifs qu'il y a avec les coquillages, les différentes frises. C'est voilà, donc on a fait un tour complet de la maison de Liliane, la maison de vacances. Maintenant, on va regarder par rapport au shopping avec la reine du shopping et ensuite on passera dans l'autre boutique, ne partez pas. Madame Reine du Shopping, nous sommes revenus dans la première partie côté Main Street, oui. La partie salle à manger. Donc en termes de merchandising, qu'est-ce qu'on trouve chez Lily's Boutique ? Alors, chez Lily's Boutique, première salle déjà. En fait, c'est très logique, on trouve tout ce qui est pour la maison. La première salle, on trouve particulièrement la vaisselle. Donc comme vous pouvez le voir, il y a toutes les nouveautés vaisselle du parc qui en général donc, sont présentées avec différents thèmes. Là, par exemple, vous avez la fête des mères en ce moment, il y a eu Alice. Ici, il y a toute la collection de mini, petits plats adorables. Donc, c'est tout ce qui est vaisselle, plat, four, cafetière, théière, ce genre de choses.
Et y a plusieurs collections qui sont tout le temps présentées. Et vraiment, c'est un plaisir de lever les yeux et de voir ça qui entoure tous les objets présentés. Élément important, on y trouve aussi les torchons Pâques, la boutique des bonbons de Broadwalk Palace. On les trouve ici aussi. Il faut toujours venir parce que toutes les nouveautés sont présentées dans cette boutique. On est quand même un peu sur une boutique qui est plus liée à l'art de la table, donc vous avez des choses assez raffinées qui sont vendues. Voilà, beaucoup de choses. Alors après, ça dépend des collections, bien sûr, mais c'est plus raffiné. Puis vous avez aussi, attention, ne pas oublier, souvent il y a du thé qui est vendu ici ou du chocolat. Donc il faut bien regarder. Nous sommes passés dans la cuisine. Oui. Donc là, on est sur un registre très différent, je trouve, par rapport à la première salle, oui. Au niveau de ce qui est présenté, au niveau du raffinement, des détails. Oui, c'est pas le même merch. On est plus dans des. Bah là, par exemple, il y a beaucoup de mugs. Il y a une grosse quantité de mugs et de, vous savez, de bouteilles d'eau. On peut retrouver d'ailleurs sur une table centrale qui est très très sympathique. Vous avez pratiquement toutes les collections de mugs qui sortent à l'heure actuelle. Il fut un temps, dans cet espace-ci, il y avait beaucoup de choses pour les ustensiles de cuisine. Manifestement, ils les mettent plus. Il y en a beaucoup chez Marianne d'ailleurs. Mais donc ici, avant, il y avait les ustensiles de cuisine qui n'y sont plus. Comme vous voyez, les petits verres, il y a les copains. C'est beaucoup plus convivial. Peut-être plus pour les. Aussi pas mal de choses qui sont pour les enfants, comme les petites gourdes qui sont présentées là-bas. Mais donc voilà. Donc là, c'est plus le pratique. Vous voyez, oui, les mugs comme ça. On est plus sur le pratique et moins sur le raffinement de la table. Dernière salle, salle de bain. Oui, salle de bain. Donc là, on reste sur la thématisation salle de bain. Exactement. Et oui, comme vous le voyez, là, on est complètement dans les produits cosmétiques, le maquillage, les pyjamas, tout ce qui est pour bah, qu'on va retrouver dans une salle de bain, c'est vrai, dont on va se servir. Dernièrement, bizarrement, nous avons nos amis et les animaux qui sont arrivés ici. Pourquoi pas? À un moment, il y avait un chien qui portait des oreilles, c'était assez drôle. Bon, effectivement, c'est tout ce qui est un petit peu... objets domestiques, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est très bien parce qu'ils ont fait tout un coin cosmétique qui est très joli et qui devrait d'ailleurs être un peu plus développé, je trouve. Voilà, mais bon, les pyjamas, vous les trouvez ici. Avant, il y avait des peignoirs. En ce moment, il n'y en a pas, mais bon, il y a des serviettes de bain, il y a des peignoirs, il y a plein de choses. Tout ce qui est pour, vous savez, les masques pour dormir. Donc, c'est très cohérent avec le type de la boutique. J'aime particulièrement leur petite vitrine. Qui sont très 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 régulièrement changés en ce moment, donc il y a tous les petits produits de beauté de Bambi, mais j'aime toujours beaucoup cette entrée, c'est ma préférée, qui est celle qui donne, donc bien sûr comme vous a montré Chris, sur le Barbier et sur Emporium, et j'adore cet endroit. Ma pièce préférée, ça reste quand même la salle de bain. Les frises sont juste incroyables. On va passer à un autre univers de Lily's. Forme de raffinement, à une partie beaucoup plus colorée, malheureusement récemment abîmée une fois de plus par la direction de Disney. Disney & Co. Il y a une jonction directe à l'intérieur. Maintenant sur Main Street avec Disney & Co derrière moi. Disney & Co, le nom, je préfère vous inviter à une fête foraine à la Pike Country Fair. Nous sommes dans une foire agricole, comme une fête foraine du comté de Pike. Alors ce n'est pas anodin, parce que le comté de Pike se trouve dans l'état du Missouri. Missouri, Marceline, qui va marquer à jamais Walt et la création de Main Street USA. Donc Pike, le nom vient de Zébulon. J'adore ce prénom, Zébulon. Zébulon, j'aurais bien appelé Zébulon. Zébulon Pike était un explorateur extrêmement important aux États-Unis et qui a notamment, quand il y a eu le rachat, notamment à la France, par exemple la Louisiane, une partie du Missouri,
qui a été fait lorsque c'est devenu des États américains. Il a exploré tout le Missouri et donc il y aura ce comté qui aura son nom, Pike, le Zébulon Pike. Donc on est dans une fin agricole, le cirque arrive, c'est la fête, on s'amuse. C'était beaucoup plus prononcé avec les anciens présentoirs qu'on avait dans la grande salle. On en fait un tour, là, cette grande salle qui est magnifique, on va regarder plus en détail. Mais avant, vous aviez de grands présentoirs. Donc à la place de ces présentoirs anodins, on en avait quatre qui étaient absolument magnifiques avec des personnages comme Mickey en maître de cérémonie qui rappelait complètement le cirque. Donc pour mettre plus de choses, pour plus mieux circuler, je ne suis pas convaincu pour ça. Voilà, ça a été remplacé par ces présentateurs qui n'ont absolument pas d'âme, qui cassent complètement la thématisation de la boutique. Donc une fois de plus, c'est une super bonne décision qui a été prise. Je ne sais pas ce qui se passe par moment dans la tête, mais là, je suis obligé d'être très critique. Donc remettez-nous ces super présentoirs et enlevez ces horreurs. Levez la tête, en dehors d'avoir un plafond qui est un ciel, vous avez également différentes scénettes peintes, elles sont magnifiques. Vous avez, c'est pas anodin l'endroit où je me suis mis pour vous en parler, vous avez également des bateaux et les différentes saisons. Regardez. Parallèle à la salle principale, là où se trouve la jonction avec l'église boutique, vous voyez que là, on est complètement dans une fête foraine avec des miroirs déformants pour avoir de très grandes jambes ou alors de toutes petites jambes. Les panneaux en haut qui nous disent « Testez votre force ». Regardez, vous êtes complètement dans une fête foraine. Pour les foires agricoles, les fêtes foraines les plus riches, c'était de faire un vol en ballon ascensionnel. D'ailleurs, on retrouve ça au village également. Donc derrière nous, on a un ballon avec les copains dedans. Arcade, vous avez un autre accès avec une particularité, Sideshow.
Alors le sideshow dans les anciens cirques, c'était quelque chose que j'adorais énormément. C'était l'endroit où vous pouvez trouver tout ce qui était, par exemple, les charlatans qui vous vendaient des potions, des huiles différentes pour soigner n'importe quel mou, faire repousser les cheveux. C'est également l'endroit où vous pouvez trouver l'homme le plus grand du monde, l'homme le plus fort du monde, la femme la plus grosse au monde, ce genre de personnages. Maintenant, ça ne se fait plus. Et il y avait également les artistes qui n'étaient pas encore au point pour avoir leur numéro dans le grand chapiteau, qui se produisaient là. Donc vous pouvez aussi voir des acrobates, des jongleurs, avec un niveau qui reste quand même absolument incroyable, mais pas encore prêt pour aller dans le grand chapiteau, ou alors qui n'était plus apte à aller dans le grand chapiteau, se retrouver dans ce qu'on appelait le sideshow. Et le sideshow, c'était gratuit. Donc c'était autour du cirque, et c'était toute la journée, ce qui fait que ça donnait envie aux gens de se dire, je vais prendre un ticket pour avoir les numéros, parce que ce que je vois là est déjà incroyable, ce que ça doit être sous le grand chapiteau. Ce type de décor, les draperies autour, on rentre dans la tente. La salle, que ce soit la salle principale ou celle sur le côté, comme si on rentrait dans la tente du spectacle. Côté Main Street, bien sûr, je parlais du cirque, de la foire. Ben, les vitrines nous y invitent immédiatement avec des personnages et des produits, bien sûr, qui seront en vente dans le magasin. Mais c'est parmi mes vitrines préférées, que ce soit à Grande Roue, retrouver Dumbo. Ambiance cirque garantie et ça nous annonce qu'on aura à l'intérieur. Madame Reine du Merche, alors dans cette boutique, on est axé sur le jouet, la robe de princesse aussi. On est à Centrale sur les princesses et tout autour, plein de jouets de plein de milieux différents, que ce soit Pixar. On va faire le tour. Comme c'est un magasin axé sur le jouet, donc vous avez toutes les sortes de jouets, de peluches particulièrement, on trouve beaucoup de peluches. Et là, il y a quand même au centre, effectivement, voilà, pareil, hein, les copains, ceux qui se mettent sur les épaules. Voilà, c'est sympa, il y a quelques petites oreilles aussi, c'est assez marrant. Et au centre, par contre, c'est vraiment tout ce qui concerne les princesses. Beaucoup de choses, un petit peu comme à la chaumière des sept nains. Vous avez vraiment toutes les princesses de représenter, par couleur, par princesse. C'est très très sympa. Voilà, très 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 joli, les coiffes, vraiment les petits accessoires, les copains qui se mettent sur les épaules, très 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 joli. Quel dommage, par contre, effectivement, qu'il n'y ait plus les présentoirs en bois qui donnaient vraiment un tel plus à cette boutique. Dans cette salle, il y a une concentration de peluches. Dans cette salle-là, et évidemment, bien sûr, hein, ratez pas, parce que ça, c'est la base, le miroir déformant. Voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup l'enchaînement des salles. C'est vraiment très joli pour faire un shopping ici, c'est extraordinaire. Et les enfants sont toujours en extase devant la montgolfière. Où on trouve, bien sûr, alors là, il y a de tout. Il y a du Pixar, il y a du Marvel, des jouets. Voilà, je crois que c'est les jouets. Et les dodos, bonjour, avec la montgolfière dessus. Ça va, Donald? Voilà, on a quasiment fait tout ce côté de Main Street, mine de rien, avec un Emporium, Liberty Arcade, le Barbier, le restaurant Walt, ce sera une autre vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Levez la tête, regardez les murs, il y a énormément de choses à voir. C'est des endroits que j'adore, comme toujours, très différents au niveau de la thématique. J'espère juste pour Disney & Co, revoir ces présentoirs, c'est juste du provisoire ce qu'ils nous ont mis là. J'espère qu'ils reviendront, c'est pour présentoir. Quoi qu'il arrive, de super endroits, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce vers le haut, commentaire. Laquelle des deux vous préférez comme boutique, souvenirs qui vont avec, allez-y dans les commentaires, j'adore lire quand vous nous racontez vos anecdotes personnelles. N'hésitez pas. Sur ce, à bientôt. Bye bye.